et dit, j'ai ri, moi-même, le message, même, mais j'étais dit, je sais pas quelle expression utiliser. Depuis cette histoire de Wubi a commencé là, j'ai pas encore vraiment dit ce que je dois dire. Il y a un message qui vient de recevoir, qui me fait rire. Et franchement, je voulais faire un vocal, parce que écrire et ignorer le message, ça me fait un bizarre pour une première fois. Vous savez, il y a des choses, on dit qu'ils se sentent mauvais sur mouche, mais parfois il y a des messages, on ne peut pas regarder puis passer. Il y a un monsieur qui dit, il s'appelle Christophe Colomb Hébrin. D'ailleurs, il a cherché tous les noms là, c'est Christophe Colomb Hébrin, il a choisi. Il dit, puis-je savoir si vous êtes Wubi ou pas? Je vous suis et parfois je suis pris dans des débats sur votre orientation sexuelle. Je souhaite que vous ne preniez pas en mal ma question. Maintenant, il y a une aussi. Il y a une qui est ma top fan. Ça s'appelle Grâce Stéphane. Grasso, comment tu vas? Grâce dit, il est marié avec beaucoup d'enfants qui lui ressemblent très pour... Très, elle voulait dire très pour très, elle a dit très pour gré. Maintenant, après, là, Christophe Colomb a répondu. Il dit, ok. Merci pour l'information. Depuis là, j'ai ri à me saisir. Hein? Ceux qui vivent à un moment là, ils se demandent, madame me demande, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas lui expliquer parce que. Mais qui s'occupe de la sexualité de quelqu'un? Il y a des mots que je ne vais pas forcément dire ici. Mais je ne comprends pas. Et grâce au a dit, en fait, j'aimerais même savoir même. Où il entend ces trucs? Parce qu'il dit je vous suis et parfois je suis pris dans des débats. J'ai dit c'est-à-dire qu'on débat sur moi aussi. Ce que quelqu'un fait de son bas ou même ce que quelqu'un fait des avis, on débat sur ça. Mais je suis celui qui dit la vérité parce que voilà, j'ai été envoyé aussi des choses la semaine dernière, sur des panels où ça parlait de. Non, mais la génération d'aujourd'hui. Surtout les gens de la Côte d'Ivoire, ils sont quelque chose d'autre. Franchement. C'est-à-dire, il a eu l'information, il a dit merci. Je ne vais même pas me fâcher avec toi, le frère. Et puis, la soeur qui a dit que il a beaucoup d'enfants qui lui ressemblent très poutés. Il y a quelqu'un même bien sur la toile qui a dit que mes enfants avaient des faits ADN. Il y a quelqu'un qui a eu des faits, test ADN hier parce que mes enfants peuvent me ressembler, mais peuvent ne pas être moi. Et puis. Bien sûr que aussi, oui, c'est que grâce au internet, grâce au, il y a des gens qui sont mariés et qui sont oubliés. Ça c'est pas un débat. Hein? Ne voulez pas forcément dire que je suis marié. Même pas. Et quand vous dites que je suis marié, là, c'est ce qui veut les élèves. Donc ne dites pas forcément que je suis marié, ne dites pas même que j'ai un enfant. Laissez-les n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent penser. Cette histoire de oubli là, des gens, tu vois maintenant leur carence intellectuelle, parce que ceux-mêmes qui ont commencé sur le panel, ils ont mélangé leurs combats. Ils sont rentrés dans la pédosophilie. Ils sont rentrés dans trop de choses qui n'ont même pas de sens. Dans ce message-là, franchement, le frère, si tu pars sur des panels ou des endroits où ils font des débats encore, si on te demande si des fois il est Wubi, moi ce que je vais te dire de le dire, il faut dire oui. Il m'a dit de vous dire qu'il est Wubi. Voilà. Et puis maintenant, la facture de ce qu'ils vont te faire là. Hein? Quand tu as dit ça, sûrement, ils vont te taxer, ils vont t'envoyer une facture. Tu m'envoies la facture, elle paye pour toi. Si on te demande, il faut dire oui, je suis oui. Parce que franchement, je ne comprends plus l'histoire. On peut rester sur la vie des gens comme ça pendant des semaines. C'est-à-dire, quand tu passes le bord, tu as un petit clair, tu es oui. Tu passes le bord, tu as l'air rouge, tu es oui. Tu passes ici, tu es propre. Vous n'allez pas vous laver, quoi. Vous allez rester dans la saleté. Non, mais franchement, ça me dépasse. Je suis oui. Oui, je suis ça. Prenez ça, coulez ça. Et puis rappelez-vous de ça. Ne me posez plus cette question. Je suis ça. Voilà. Hein? Ou bien de dire quoi? Vous qui me suivez là, de dire quoi? Parce que vous savez, peu importe ce que tu as dit, même si tu n'es pas voleur, même si tu n'es pas quelque chose, si quelqu'un a dans sa tête le fait de toi, tu es voleur. Non, c'est pas mieux que je dis ça et puis c'est fini. Voilà. La sentence que je dois avoir là, ils vont me donner. C'est mieux que je dis ça, non? I don't understand. Je dis ça ou mais je dis pas. Mais en tout cas, j'ai déjà dit. Je suis ça. Maintenant, on va voir maintenant ce qu'ils vont essayer de faire. Parce qu'il y a d'autres aussi qui disent, oh, tu essaies de te cacher pour dire que tu es ça. Je attends en destin. Je ne comprends plus.